Et on est parti! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je monte un peu le volume chez moi quand même. Que vous allez bien, que vous allez la forme. Et on se retrouve sur Mind Test for Fun. Ça fait vraiment, vraiment longtemps. Je suis désolé les amis. Je ne vous ai pas oublié. Je suis toujours là, je suis toujours vivant. Enfin, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, tout ça. Donc, si vous me suivez, vous savez pourquoi il y a eu une petite pause, hein. Enfin, j'ai eu une histoire de vacances, après j'ai eu une histoire de... J'ai eu repris, mais avec beaucoup, beaucoup de petits soucis, enfin bref. Mais l'important, c'est que maintenant je suis là, je suis avec vous. Et on va un peu s'attaquer aujourd'hui, en fait, à toute cette partie-là, à ces trois bâtiments qui forment le premier étage. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai construit les murs un peu à l'arrache comme ça pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ça va, c'est plutôt correct, hein. Mais en réalité, les bâtiments qu'on retrouve actuellement sur la tour ne sont plus, enfin, ils ne sont pas comme ça, ils sont pas entièrement pleins, ils sont intégralement vitrés. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par se faire une petite hachounette. Je vais regarder si j'ai ça dans les stocks. Ça fait tellement longtemps, je reprends enfin. Et il y a énormément de nouveautés, on m'a parlé de zombies sur le serveur, enfin je peux regarder. Je crois que c'est ça. Non. J'ai lâché un blanc. Tic 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 tic. Non, c'est pas une faux, c'est news. Voilà, décidément, quand on y arrivera. Alors, donc, on a une nouveauté sur les mobs, on a des chèvres maintenant, on a aussi des zombies. Je me réjouis de voir à quoi ça ressemble. On a un remake de toute la partie arc et flèche. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a une histoire de labyrinthe qui peuvent se générer automatiquement. Une tentative de mise à jour d'IRC, bon. Dududum. Enfin bref, il y a une liste invraisemblable de mises à jour, c'est vachement, vachement cool. On a aussi des éponges qui vont permettre de vider l'eau apparemment. On a... Ouais. Enfin bref, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tac, 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 tac. On a des mobs qui nous... Donc les gentils mobs là qui nous peuvent nous protéger si on leur donne des diamants. Ça peut être chouette aussi. Mais bon, c'est pas le sujet. Oui, alors, je me perds, je m'égare complètement, je m'en rends compte, hein, désolé. Alors, je vais regarder un petit peu. Tuc, tuc, tuc. Je sais plus ce que j'ai dans ces coffres, c'est une horreur. Il faudra vraiment que je trie un peu tout ça. Non, c'est l'usine. Je suis presque sûr que j'avais... Ah, j'ai vu que j'ai de la messie pure, mais il me semblait que j'avais de quoi faire. Bon, bah vous savez quoi. Dans le doute, on va se refaire une petite tâche. Oh, ça va être sympa aussi. Tac. Alors, pour ça, j'aimerais transformer mon lingot. C'est la fameuse que j'avais trouvé. C'est le fameux bloc que j'avais retrouvé, hein, il y a quelques épisodes. Mais ça fait peu d'épisodes, mais ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Avec ça, on va abattre du mur. Boum. Voilà. Et on va faire 6 blocs de haut. Je pense que... Voilà. Donc ça va super vite, hein. Je fais ça avec vous en même temps, je peux blablater comme ça. Peut-être que vous entendez aussi un peu la musique derrière, c'est possible. Je me suis rendu compte que... Voilà, j'ai des petits soucis avec mon ordi aussi ces jours. Oh là là, je vais juste regarder un truc. Ah d'accord, bon. Ah oui, je sais pourquoi. Non, mais j'ai des soucis de température avec mon ordi ces jours. Il surchauffe totalement, c'est très embêtant. C'est le petit ventilateur qui est fourni avec le processeur qui est pas du tout assez puissant. Logique, hein, ils sont... Ah, il faut que je pense à verrouiller ça. Voilà. Nouvelle souris aussi. Enfin bref. Oui, donc les ventilateurs. Chaque chose son temps. Pour le processeur, on a une histoire de... Quand on achète un processeur, très souvent, il est livré avec un ventilateur, en bon français, de merde. Pourquoi? Parce que ça coûte pas cher à faire, ça refroidit un minimum, et puis ben, comme ça, on dit, hey, il est vendu avec un ventilateur. Et en fait, ben, j'ai installé en me disant, ouais, je verrai plus tard. Alors déjà, c'est un truc qui fait beaucoup de bruit. Et ensuite, il est d'une inefficacité assez incroyable. Dès qu'en fait le processeur est en charge un peu, la température monte environ à 100 degrés. Donc c'est la température de où il y a un arrêt d'urgence qui se met en place. Donc
Enfin, il s'arrête pas complètement, mais il réduit drastiquement la vitesse, il se met à vitesse minimum jusqu'à ce que la température redescende. Donc, c'est vachement. C'est pathétique en fait. Ça fait vraiment. J'ai envie de dire, c'est comme une. On prend une magnifique Rolls-Royce et puis on met pas de refroidissement sur le moteur, du coup elle peut aller à la vitesse d'une 2 chevaux. Dans l'idée. Voilà. Allez. Alors, du coup, je me suis décidé, je fais l'acquisition d'un petit ventilateur qui n'est pas encore arrivé. Il arrivera dans quelque chose comme 2-3 jours avec une nouvelle tour. Parce qu'il faut savoir que j'ai actuellement un boîtier tour qui date de 2002-2003, comme tout le reste de ma config à la base, quand j'ai commencé avec MFF, avec YouTube en général en fait. Donc, c'est du matos tout à fait correct, hein, enfin. Ouais, c'est une vieille tour de récup, ça marche très bien, mais c'est très bricolé dedans. Typiquement, le disque dur est complètement de traviole parce que. Le disque dur est complètement de traviole parce que il pouvait plus se loger. J'ai dû enlever tous les racks qui tenaient les disques durs juste pour avoir la place de mettre la carte graphique. Donc, c'est pas vraiment joli, joli. En plus de ça, j'ai des soucis de. J'ai des petits soucis de. Ça y est, je me paume. Décidément, c'est difficile de parler. Je fatigue un peu déjà. Oui, donc j'avais ces soucis de processeur de ventilation. Donc je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant tout acheter. Parce que si je monte mon nouveau ventilateur, je vais devoir sortir ma belle carte mère. Et je me dis, si je dois la sortir une fois, autant en profiter. Donc je change aussi le boîtier en même temps. Donc voilà, comme ça, tout va arriver d'ici 2-3 jours. Je pense que j'essaierai de faire un petit vlog avec ça. On verra. Ça dépend si ça vous intéresse ou pas. Hein. Vous pouvez sûrement me mettre dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Tac. Allez. Ah oui, mais là, j'ai tout enlevé jusqu'en bas. Est-ce que c'est mieux en enlevant tout jusqu'en bas? Non, mais je pense pas. C'est mieux de maintenir un petit peu l'impression qu'on a un bâtiment. On va reposer tous ces blocs. Voilà. Sinon, nouveauté, nouveauté aussi. Oui, j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses, hein, mais j'ai pas eu le temps de faire des records. J'ai aussi fait l'acquisition d'une nouvelle souris, puisque la précédente était un peu au bout du rouleau. Enfin, c'est-à-dire que en fait, j'avais la précédente qui était aussi très vieille. C'était une souris qui m'avait coûté à l'époque 15 francs suisses, donc c'était l'équivalent d'une dizaine d'euros. Et elle était absolument top hein, pour le prix. J'ai vraiment rien à regretter de cette souris. Elle avait un bouton pour changer la précision. Elle avait des. Elle était tout à fait correcte. Hein. Elle m'a donné vraiment satisfaction. Et le fil commençait à sortir. Donc je m'étais dit aussi, ouais, ça, c'est foutu. On va changer. Donc c'est aussi fait. Hein. Mais ça fait déjà quelques temps que je l'ai. Je vous en ai juste pas parlé. C'est-à-dire que j'ai enregistré la vidéo et je me suis dit, ouais, non, c'est peut-être pas si intéressant que ça. J'ai acheté une petite souris Logitech, pas piqué des hannetons. Avec 7 boutons dessus, c'est tout à fait correct. Un petit bémol quand même, c'est que malheureusement, évidemment, il n'y a aucun moyen de programmer facilement les boutons sur GNU Linux, donc je dois me contenter des boutons par défaut. Oula, je suis en train de tout péter, mais tout va bien aujourd'hui vraiment. Mais enfin bon, c'est pas très grave, de toute façon, j'ai des boutons qui sont difficiles d'accès un peu pour l'index. À côté du bouton gauche qui me permettent juste de changer de précision. Sinon, sous le pouce, j'ai un bouton pour le sniper. En fait, c'est un bouton qui me permet. Voilà, vous voyez, je bouge vite. Puis si j'appuie dessus, ça permet d'être beaucoup plus précis. Et ça, c'est sous le pouce, donc c'est assez top. Et le dernier truc que j'ai, c'est deux boutons pour passer à page précédente, page suivante sur Internet. C'est assez sympa aussi. Et en pratique, ça ne me sert qu'à ça et ça me va très bien en fait. Donc, j'ai pas pu les reprogrammer, mais c'est pas très très grave. On va juste enlever celui-là. Merci beaucoup. Voilà. Après, cette souris, elle a aussi un truc très très chouette. Elle a la molette débrayable. Alors, concrètement, là, je dois faire un claque à chaque fois pour changer de truc, hein. Et si je la débraye. Voilà, là j'ai lâché ma souris, ça défile tout seul parce que j'ai fait tourner la molette. Et ça c'est absolument génial. Vraiment, je ne peux que vous conseiller d'utiliser ça. La débrayable est hyper géniale quand vous êtes en train de surfer. Alors qu'à l'inverse, la roue crantée est vraiment top pour jouer typiquement Mindtest.
Donc voilà. Pouf, pouf, pouf. Ouais, bon, on a gentiment fait le tour. Ça fait déjà beaucoup, beaucoup de nouveautés, hein, quand même. Je ne vous le cache pas, j'ai aussi un nouveau job. Oui, les nouvelles continuent, n'est-ce pas? Et oui, je blablate aujourd'hui. Donc, nouveau job, je vais quitter mon... Je vais quitter mon infâme employeur dans un fast-food au grand M, dont je ne citerai pas le nom. Et ceci afin de me concentrer, de me consacrer à quelque chose d'un peu plus noble et qui sera certainement beaucoup plus plaisant et agréable, c'est-à-dire je vais m'occuper de personnes dites en situation de handicap, pour faire politiquement correct. En pratique, ben, il y a des gens qui s'occupent de... Enfin, quelqu'un a une personne handicapée dans sa famille. En tout cas, chez nous, aux Suisses, la personne reste très souvent dans la famille. Si on peut éviter de la mettre en institution, on va éviter, ce qui est assez chouette, hein. Mais il arrive toujours un moment donné où les proches qui s'occupent de cette personne, ils ont besoin de faire autre chose. Ça paraît tout à fait logique, naturel, hein, pour, je veux dire, en tout cas en ce qui me concerne, si j'avais par exemple on va dire un enfant qui serait trisomique, ça me ferait vraiment plaisir déjà de pouvoir l'avoir à la maison parce que, ben voilà, c'est quand même, ce serait con de le rejeter, quoi. Mais ce serait aussi utile de temps en temps d'avoir un moment pour soi. Alors là, ben, le but de ce travail, ça va être de justement de faire la personne qui remplace les proches aidants, donc les personnes qui s'occupent de la personne handicapée. Alors franchement, je trouve ça assez génial comme idée. Donc c'est avec un grand plaisir que je me suis inscrit, que je me suis inscrit et que je vais commencer ça ben, très bientôt. Il y a une bonne petite formation. Mais voilà. Ah, il y a MG qui se fout de moi. Ben ouais. Attention, je record. Dis coucou à YouTube. Voilà, je sais même pas encore si j'aurai le temps de mettre au montage, je suis totalement débordé ces jours. Évidemment, hein, parce que... avec tout ce qui se passe. Enfin bref, donc voilà, ça va me permettre de quitter Ronald. Mince, j'ai dit son nom, zut. Oui, c'est un employeur secret. Et puis donc faire quelque chose de beaucoup plus noble et beaucoup plus agréable et plus utile. Oui, je pense clairement que c'est plus agréable, tout simplement parce que je n'aurais plus besoin de courir pendant 1 minute 30 pour faire mes cheeseburgers ou que sais-je. Donc voilà. En plus, ça pue moins. Parce que quand on rentre du fast-food, ben, c'est un petit peu le moment de se décrasser. Enfin, il faut vraiment mettre faut vraiment lever la dose, hein, parce que il y a des masses de, on a des masses d'huile partout, c'est ignoble. C'est une très bonne leçon de vie, cela dit, hein, parce que ça permet d'apprendre à être rapide, efficace et tout. D'ailleurs, souvent, quand je fais une soirée avec des gens comme ça, si je me mets à faire du service, on me dit, mais tu vas trop vite! Enfin, chers auditeurs, si vous avez déjà fait une soirée avec moi, vous pouvez confirmer dans les commentaires. Voilà, mais en plus, bah, j'aime tendance maintenant à voir quand même souvent les choses les plus efficaces et les plus rapides. Parce qu'on apprend tout simplement à optimiser son temps au maximum, ça vient naturellement, en tout cas ce qui me concerne. Alors, ça c'est un petit truc quand même que je peux. Oh mon Dieu. MG qui me met des gros mots en allemand. Ah! Tu me pourris mon record! Je dirai tout à ma maman! Na! Et je fais des fautes de frappe si je veux. Ok, je me demande s'il va répondre. Enfin bon, voilà. Ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de news. Ah, et je me suis planté. Je me suis planté, j'ai tout coupé en bas. J'aurais pas dû. C'est ça, toujours, je cause. Et apparemment, la nourriture descend très très vite.
Peut-être qu'ils ont changé ça, c'est possible, hein. Tac. Voilà. Évidemment, l'escalier, le mieux, il sera juste là. On va l'enlever à terme, hein, mais pour l'instant, on va le laisser. C'est juste le temps de faire de la construction, hein. Ok. Alors maintenant, je vais uniformiser ces accès. Je sais pas de quel côté ils sont sur la vraie tour, mais je pense que là, on va, pour une fois, on va privilégier le pratique au réaliste. Donc, je pense que mettre ici les portes, ça peut être pas mal. Voilà. Après avoir, normalement, je vais donner à des gens ces trois petites zones pour qu'ils puissent en remerciement pour tout le matériel donné. Mais quand même, faut aménager un peu tout ça d'abord, hein. Alors, est-ce que c'est bon? Là, je suis contre la porte. Et là-bas, est-ce que je suis contre la porte aussi? Gna, 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 gna. Ah oui, parfait. Et là au bout? Bref, voilà, donc du coup, j'ai pas eu beaucoup de temps et je continue à le dire et le répéter, tout va bien. Alors là, je suis faux. Je suis totalement faux. I'm totally wrong here. Voilà. Je pense que je vais aussi faire un record de MFF en version anglaise. Parce que faudrait quand même pas que j'oublie le public anglophone. Mais franchement, je sais pas si je vais maintenir ça. Parce que j'ai d'autres projets, typiquement Super Tax Card, qui va. Donc je vais faire le record juste après. On va voir. On verra avec le temps. Tac. C'est plus une question d'orientation à prendre, ça. Ouh, blablabla, blablabli, blablabla. Ah. Bon, ok, voilà, je mange ça, les restes. Ah bah je vais faire comme ça. Je replante, et puis comme ça je peux reprendre en même temps. Voilà. Ah, en parlant de maïs, j'ai fait un truc drôle l'autre jour. On a fait des pop-corn avec ma copine et on avait. Et puis ben, je me suis dit tiens, si j'essayais de planter de grains de maïs juste pour voir. Et en fait, j'en ai planté 4 ou 5 dans mon fameux pot pourri où je mets plein de trucs. Et j'ai déjà vu qu'il y en a au moins 4 ou 5 qui poussent. Donc je pense que j'aurai du cyber popcorn à me faire d'ici quelques temps. Si c'est le cas, vous aurez le droit à une super vidéo là-dessus puisque. Bon, c'est un trip avec MG en fait. Bref, voilà. Du coup, j'ai fait ça. Alors maintenant, il va me falloir. Oh là là, j'ai masse de planches. Faut que j'aille me débarrasser d'un peu. Je crois que je vais perdre un bout de mon équipement. On verra. Alors, on va enlever un ou deux stacks. Hein. Tac. La vitre, autant dire que j'ai pas assez. Ouais, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une bébé ellipse. Je vais vérifier, mais je pense que j'ai plus de pierre là. Non. Bah écoutez, on va même pas faire d'ellipse. Je vais descendre à l'usine. On va voir ce qu'on trouve. Ow! Ça fait toujours bobo de tomber. Ah. Bonjour le monsieur. Ah, plouf. Voilà. Autre. Ah oui, bah tiens, on va continuer dans les autres nouvelles parce que j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses à raconter aujourd'hui. Déjà que je blablate beaucoup d'habitude, mais alors là c'est encore pire. Donc niveau blablatage, j'ai aussi un truc cool. C'est que, étant donné que mon. Bah ben voilà, c'est ton, ça va, je gagne relativement bien ma vie. Hein. Bon, c'est pas l'argent des abonnés, hein, parce qu'avec 34 abonnés, je veux pas dire. Et ça me fait vachement plaisir, vous soyez 34, hein. Franchement, c'est vraiment top. Mais oui, ce que je voulais dire, c'était que, donc, comme c'est ton, je gagne relativement bien ma vie. Je suis en train de faire des réserves pour repartir sur l'Uni après. Et ben, je me suis permis de décider que je vais m'offrir. Mais ça viendra pas tout de suite, ça viendra dans un petit moment. Je vais m'offrir ou me faire offrir, je trouverai bien quelqu'un d'assez fou pour ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. D'accord, le panneau a été un peu décalé. Est-ce qu'on a des troncs? Oh, 18, est-ce qu'il y a des planches? Que dalle. Bon, on va prendre les troncs. Bonjour la vache, tu passes à travers la vitre, c'est beau. À travers la porte. Ah oui, c'est là. Ok. Ah oui, puis je vais prendre aussi du. Ah bah c'est des fours publics, c'est juste. Alors on va cramer tout ça. Tac. Ah, ça n'a pas passé dans le premier. Ah mais non! Non, 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 non! Tu brûles pas. Ah, bah ça marche pas. Bon, on va voir ce qui se passe après.
Voilà. Ah oui, pour Majora Viva, donc là, je confirme, hein, je prends de la cobalt, je la transforme en gravier. Et je peux en faire du sable. Donc je sais pas ce qui s'est passé pour toi. Pourquoi ça n'a pas passé. Ça m'échappe. En tout cas, chez moi, c'est faisable. Voilà. Est-ce qu'on peut brûler ça? S'il te plaît! Non, mais il a fumé ou quoi? Hé! Hey. Eh oh, le four! Est-ce que c'est parce que maintenant. Est-ce que c'est parce qu'on est en zone protégée, peut-être? Je sais pas, mais visiblement, j'arrive pas à mettre ça dans les fours. C'est assez étonnant comme bug. Bon, alors, on va faire. Ça, on va débarrasser. Ah! On va faire comme ça. Tac. Et ça, on jette. Voilà, c'est un petit bout de planche, de rien du tout. C'est rien de grave. Ah oui, je dépose mes œufs. Ah, je vais déposer un œuf là, puis un autre à côté. Ok. Allez, maison. Boum. Que c'est beau, le mode téléportation. Dommage que ça soit pas plus souvent. Boum. D'ailleurs, on pourra s'attaquer à ça un de ces jours, hein. Alors, est-ce qu'ici j'ai le droit? Ah bah ici j'ai le droit. Je pense que c'est lié à la protection. Mais alors c'est un petit peu embêtant. Normalement il y a des fourneaux qui sont protégés, qui sont fermés si on veut faire ça. On verra bien. Bon, comme ça on va se faire du verre. Je pense qu'on va mettre... Ouais, on va mettre des petites vitres toutes fines. Ça sera plus joli. Je sais plus comment on fait ça. Ça fait tellement longtemps. C'est du glass pane. Voilà. Alors, il m'en faut 6 et ça m'en fait 16. Oh, mais c'est parfait. En plus, ça coûte rien. Voilà. Voilà, je dois en mettre 30, donc ça m'en fera 16 fois 5. Si je sais calculer. 80. Youhou! Ou 80 pour les Français. Voilà. Tac. Bon, il nous faut quand même une jolie petite flopée, hein, parce qu'on a, on va avoir 5 étages comme ça à faire. 4, 4, 4. Je vais remettre un toit après en plat. What the? What is happening? Schling. Poum, poum, poum. Allez. Mais là, vraiment, tac. Voilà. Allez. Allez, escalier. Bon. Ok. Allez. Ah oui, sinon, je ne crois que je vous ai pas dit, je suis en finale avec King of Nowhere pour le tournoi de Wildlands. Alors, j'aimerais bien vraiment vous mettre la finale en vidéo. Je sais que j'ai pas pu en mettre une seule jusque-là. En fait, jusque-là, chaque fois que j'ai démarré Wildlands en même temps que mon programme d'enregistrement vidéo, je ne sais pas pourquoi, j'ai le droit à un magnifique crash et le jeu ne démarre pas. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas pourquoi ça se passe comme ça. C'est un truc totalement bizarre, ça se passe uniquement avec la snapshot actuelle. En tout cas, avec les dernières snapshots, ça s'est produit. Je vais réessayer parce que c'est vraiment, ben. Voilà, quand on est 3D point. Alors, je vais pas préciser le fait que je me suis complètement planté sur la dernière partie. C'était assez magnifique. Pour ceux qui suivent un tout petit peu, enfin qui voient à quoi ressemble Wildlands, j'ai fait n'importe quoi. On était sur une carte un peu spéciale avec que des îles. Chaque île ne peut appartenir qu'à un seul joueur car il y a un seul emplacement. Oh, mon Dieu, il y a un petit problème là. Il y a un seul emplacement de port par truc. Donc, par île. Et en fait, on devait se battre pour avoir la plus grande superficie possible de territoire. Et en fait, là où je me suis planté, c'est que j'ai construit beaucoup de bâtiments en même temps. Et quand on construit un bâtiment, il faut un constructeur. Et s'il n'y a pas de constructeur, il y en a un qui va être créé à partir d'un marteau. Enfin, il prend un marteau, puis il vient construire. Alors jusque-là, ben, pas de soucis, sauf que après j'en ai plus un seul pour construire des bateaux. Et le temps que j'obtienne des nouveaux marteaux,
Eh ben, tous les terrains étaient déjà occupés, ce qui fait que j'avais une seule île principale. Mon coéquipier était bardé jusqu'au plafond, hein. Il est extrêmement fort pour ça, hein, donc pour optimiser au maximum de ses possibilités tout ce qu'il peut faire. C'est un joueur d'un niveau excellent, j'atteindrai jamais la moitié de ce qu'il fait. Mais du coup, il a réussi à obtenir à lui tout seul plus de terrain que les deux joueurs adverses. Plus le petit bout que j'avais pour l'aider, hein, mais voilà, c'était totalement épique. On a gagné pour 3 ou 4 unités de terrain en tout. Sur, je crois, 7500, quelque chose comme ça. Donc c'était absolument incroyable. Et vraiment, jusqu'à la dernière seconde, on n'y croyait pas. On se disait non, c'est fichu. Eh ben si, on a réussi, on a trouvé le tout petit bout de terrain qui nous manquait juste pour réussir à voir ça. Hop là. Voilà, ça on va fermer. Merci beaucoup. Ah ouais, ça rend pas trop mal ces vitres. Ça rend pas trop mal. Je vais juste ouvrir Firefox. Voilà, je vous le mets même au. Et non! Voilà. Je vais juste enlever le plein écran. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fout? Ah bon. Chef, j'ai un problème! Ah! J'ai le droit à l'un ou à l'autre, mais j'ai pas le droit aux toutes. On va écarter un peu. Yeah. Oui, je fais du montage à l'arrache. Voilà, ça ressemble à ça en fait, ce qu'on a. Donc, on va regarder ça un petit peu de loin, depuis l'autre côté. On va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être pas trop pire. Sachant qu'on fait le maximum de ce qu'on peut, mais que ce sera jamais parfait, hein. Ce sera jamais exactement la même chose. Voilà, donc on est par là. Sur la photo. Quoique non, on doit regarder depuis la vitre là, je pense. Voilà, si on regarde depuis la vitre là. Tac. Ah non, c'est à l'intérieur. Bon, bref, mais. Mis à part le fait que les vitres sont totalement pliées, ça, c'est à peu près pareil. De toute façon, c'est comme on a des problèmes d'échelle, hein, c'est. On a une précision qui est nettement moindre. Ce sera jamais exactement la même chose. Mais voilà, je suis plutôt content. Je pense que je vais finir ça hors caméra, de toute façon. Bah vous avez vu quoi, en vitre, on pose des vitres quoi. C'est pas non plus transcendant. Donc, je vais vous laisser là. Ah oui, j'ai oublié. Bon Dieu, depuis le début, j'ai oublié. Il fallait que je vous montre encore un truc. En fait, ce qui s'est passé aussi pendant que j'étais en vacances, il y a Obani qui m'a fait un skin. Qui m'a fait un skin à la Matrix, que franchement, le concept est sympa, mais après il avait appelé Cyberpogolin, puis parce qu'il pensait que j'allais le mettre, et je m'étais dit non, c'est pas exactement à ça que ça ressemble, ça que j'ai envie d'avoir, quoi. Il est pas moche hein, pour un skin, bah, sachant qu'un skin c'est minuscule, donc voilà. Il est pas moche, mais ça ne correspondait pas niveau style. Par contre, ce que j'ai pu faire du coup, c'est que je l'ai un peu bidouillé. J'ai tiré en travers les lignes qu'il avait mises. J'ai pu réussir à en faire des écailles assez sympas. Et après, je me suis rajouté un visage et tadam! Voilà, j'ai un magnifique nouveau skin de Cyberpongolin avec la même couleur que celle qu'il a utilisée pour mon design de chaîne. Alors, je trouve c'est plutôt cool. Ça rend assez bien. Donc voilà quoi. On va le garder quelques temps. En plus, ça fait très écaille comme c'est mis. Donc, c'est un peu en travers, mais pas vraiment. Puis, on voit quand même des lignes générales. Donc voilà, je suis assez fier de moi, je dois dire. Surtout pour dire que j'ai tout fait complètement à l'arrache. Et tout ça est basé, bien sûr, sur le skin d'Obani. Ok, alors, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais faire ces vitrages à la main dans mon petit coin. Du coup, n'hésitez pas à laisser un petit pouce de votre couleur préférée, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je me réjouis de vous retrouver très rapidement pour déjà Super Toxcart. Puisque j'avais dit que je ferais en tout cas. Enfin, je pensais faire un let's play, je ferai en tout cas une vidéo de test là-dessus. Et pour le let's play, oui, a priori, on va le faire aussi. Et sinon, ben pas. Bébé. Oui, bah, je me réjouis, mais j'arrive plus à parler. Je me réjouis aussi de vous retrouver
pour la suite de Mind Just for Fun. On va vraiment booster cette tour Eiffel maintenant. J'ai envie qu'elle avance. Ça rend super bien, mais je suis persuadé qu'on peut faire encore beaucoup mieux. Que ce sera encore mieux quand elle sera tout en haut, hein. Alors voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce de votre couleur préférée, ça fait vraiment plaisir. Et un commentaire, j'en ai vu tout plein, même si j'ai pas pris le temps d'y répondre. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!